Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale parce qu'on va monter le poste autoradio dans la cabine. C'est-à-dire, si on commence à monter le poste, ça veut dire qu'on commence à plus avoir grand-chose à faire. Bougez pas, je fais du bruit. Donc la chose que je vais faire, c'est que je vais monter un autoradio dans la cabine. On les avait achetés il y a super longtemps quand on était parti voir le terrain. On en avait acheté deux, un pour le Zafira et un pour Martin. C'est un poste de voiture, donc forcément il fonctionne au 12. J'ai acheté un petit convertisseur 12-24. Voilà, c'est un convertisseur 12-24 et qui fait en puissance 240 watts. Voilà, donc vous voyez, ça en fait, c'est les nouveaux postes. Il n'y a pas de CD, de toute façon les CD maintenant, franchement, c'est obsolète. On s'en sert plus beaucoup des CD. Hein. Moi j'appelle ça des petits culs. Ils sont tout petits, ils sont trop marrants, ils sont trop mignons et ils sont trop simples à installer. Parce que derrière, vous êtes tout embêté avec les fils. Et bah là, non. Ils sont tellement petits que du coup, vous les enquillez avec les fils, vous avez encore plein de place et c'est nickel pour les branchements. Voilà, je prends tout le temps maintenant Bluetooth. Je crois même qu'il fait Wi-Fi celui-là, puis surtout clé USB. Non, il fait pas Wi-Fi. Et puis une sortie haut, et voilà. Et surtout, je prends la petite sortie ampli, vous allez voir pourquoi. Alors, ce petit truc-là vous convertit du 24 volts en 12 volts, tout simplement. Ça, j'en avais un d'origine dans Flash. Dans Captain, j'en avais pas parce que c'est un 24 volts, du coup, j'en avais racheté un pour Captain. Et là, j'ai pas de poste du tout. Je vais trouver du 24 volts, je vais le brancher dessus et j'aurai la sortie 12 volts pour pouvoir brancher mon poste. Et là, on va monter tout ça. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait hier, que j'ai tournée hier sur le trépied que je me suis acheté grâce au super chat. Et je vais tout vous expliquer. J'ai cassé mon trépied photo et du coup, j'ai acheté un vrai trépied vidéo. Et je vais vous montrer ça en deuxième partie de vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un bel engin ce trépied. Et je suis actuellement en train de filmer avec. Et regardez comment c'est souple. Vous voyez ? Là, je l'ai bloqué, mais vous voyez, regardez, c'est hyper pratique, c'est génial. Je revis avec ce trépied, je revis. On se retrouve dans la cabine et on va monter ça. Outils indispensables, la caisse électrique, l'écosse, la petite pince, voilà, tout ce qu'il faut. Parce que là, il commence à pleuvoir et du coup, on va rester enfermé à l'intérieur. Vous n'allez pas trop me voir, c'est bien, vous allez voir surtout le tableau de bord. Vous allez dire, c'est bien, ça fera des vacances. Là, il y a un emplacement pour le poste. Ah, bah, il y avait un poste, hein, parce qu'il y a l'antenne. Il faut que je démonte cette petite console pour que je regarde ce qui se cache en dessous. Alors c'est un poste Pioneer assez simple hein, qu'on a acheté en promotion, du coup c'est pour ça qu'on en avait pris deux, on avait quasiment payé les deux pour le prix d'un. C'est du Pioneer, alors j'ai été assez déçu par cette marque là, pourtant avant ça fonctionnait super bien, ça fonctionne encore super bien, seulement les réglages sont vraiment vraiment compliqués. On s'est pris la tête au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec Charlotte pour faire des simples réglages, pour le mettre en français en fait tout simplement. C'est pas normal parce que maintenant il devrait faire des trucs bien plus intuitifs que ça et beaucoup plus simple. Moi si je peux vous conseiller une marque, LG, franchement, ils ont fait des super efforts, LG. Ils ont des postes qui sont simples, qui sont agréables. Et les enceintes, vous avez vu l'enceinte que j'ai, la 1000 watts là, qui est dans la caisse. Faut voir comment elle dépote. Et même la petite que je veux remettre ici, je peux vous dire qu'elle dépote aussi. Et le son, il est quand même pas mal. Hein. Franchement, il se débrouille bien, LG. Hein. Voilà, après, hein, j'ai pas de partenariat avec telle ou telle marque. C'est uniquement mon ressenti et mon expérience. Hein. Si ça peut vous servir, je sais que Pioneer, ou alors parce que c'est le modèle bas de gamme, j'ai essayé de voir s'il y a des modèles un peu mieux, mais j'étais vraiment, vraiment déçu, ouais. Voilà, donc c'est un kit main libre, en fait. Hein. C'est une centrale téléphonique, on dirait. C'est ce qui devait monter dans les camions pour éviter aux chauffeurs de téléphoner au volant. Ça, ça sert plus à rien. C'est très très rustique. J'ai repéré un plus permanent. Je sais pas si c'est permanent. Je vais aller remettre vite fait le contact et on va voir si on a du jus qui arrive. Alors moi j'ai deux choses pour tester le courant. J'ai déjà ce petit truc là. Ça fait 12, 24 et 48 volts. Ça, je le mets à la masse et la pointe, je viens la brancher sur un plus. Ce qui me permet de voir déjà si j'ai du jus. C'est vraiment très pratique. Ça me permet de voir si j'ai du jus. Là je sais que j'ai un plus permanent. Vous voyez, ça s'allume. Ensuite, je prends mon testeur et je regarde, j'ai du combien en volts. Si c'est du 12 ou du 24, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, j'ai un petit peu de 12, il y a un convertisseur, ce qui m'étonnerait. Hein. Ah, j'ai du 12. C'est quoi ce délire? J'ai du 12 volts. Dingue. Vous voyez, comme quoi qu'il faut tester. Hein. Vous voyez, c'est vraiment étrange. En fait, j'ai du 12. Et là, j'ai du 24. Oh, c'est dingue. J'ai une petite cosse ici où j'ai du 12 et du 24. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir du 12 et du 24.
Donc là, c'est un continu, voilà. Ici, j'ai du 24 et ici, j'ai du 12. Et ben ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, petite surprise, il y avait déjà un convertisseur dedans. Un 12-24 volts, par contre, ils disent pas la puissance, juste 8 ampères. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, 8 ampères. Peut-être pareil, dans les 200 watts, 200-300 watts. Par contre, il n'est pas alimenté. J'ai pas réussi à trouver de... J'ai pas d'alimentation. En tout cas, j'ai du 12. Vous voyez, regardez, on voit bien, la lumière, elle s'allume beaucoup sur le 24 volts et beaucoup moins fort sur le 12. Donc là, j'ai une alimentation, ça c'est tout d'origine. J'ai une alimentation d'origine en 12. Ben, je vais aller brancher mon poste dessus, je ne vais pas m'embêter, hein, tout simplement. Dans les voitures ou dans les camions de maintenant, vous avez juste besoin de brancher ces deux petites cosses et ça fait tout le boulot. Moi, j'ai pas ces cosses comme c'est un vieux véhicule. Donc, je vais devoir repartir de zéro. C'est-à-dire que déjà, on a une cosse qui sert pour les quatre enceintes. Donc deux fils par enceinte, ça on ne s'en occupe pas pour l'instant. Et ensuite j'ai mon alimentation, c'est-à-dire que j'ai un moins, donc c'est le noir forcément. Ensuite j'ai le bleu et blanc, c'est le remote, c'est si vous branchez un ampli, ça vous permet d'éteindre votre ampli quand vous éteignez le poste, pour éviter que ça vide votre batterie. Donc celui-là on s'en occupe pas parce qu'on n'a pas d'ampli. Le noir on va venir le brancher sur la masse. Et ensuite on a un rouge et un jaune. Alors vous avez le rouge qui est branché sur votre plus après contact, c'est-à-dire que quand vous allez couper le contact, votre poste va s'éteindre. Et du coup, il faut garder la mémoire de vos stations qui sont enregistrées, tout ça. Donc le jaune, vous venez le brancher sur un plus permanent. Et comme nous, on n'a qu'un plus permanent, normalement, on ne devrait pas être embêté. Je branche uniquement le rouge et ça devrait fonctionner nickel. On va essayer, on va voir ça. Hop, sertissage, on essaye, attention. Est-ce que ça s'allume? Yes, ça s'allume, c'est trop cool! J'éteins le poste, mais normalement c'est bon parce que mon plus est permanent. Je le rallume, il doit s'allumer à 102.5. Voilà, donc la mémoire elle fonctionne bien. Ok, maintenant il faut que j'essaye de brancher vite fait l'enceinte avec le 220 et la sortie ampli, voir si ça fonctionne et voir si ça pète. Ok. Ah, c'est vraiment dommage, il manquait pas grand chose pour qu'elle passe. Franchement là, il manquait vraiment pas grand chose. Là, comme ça, elle serait bien, mais elle nous bouche vachement de place. Oh, là, elle serait pas mal si j'arrive à l'intégrer comme ça, dans un genre de meuble, parce qu'après, on va tout refaire. Tu vois, regarde. Là, elle est nickel. Oh, c'est sa place. Oh, c'est sa place. Oh, je le sens bien. Vous allez voir, ça va être pas mal. Ouais, voilà. Donc, le poste fonctionne. Je me suis repiqué directement sur une alim en 12 qu'il y avait dessus. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû repiquer une alim là-bas d'origine en 12. Trop bizarre. Pas besoin de convertisseur, c'est nickel. Le poste fonctionne bien. On va perdre, je pense, encore une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de le mettre en français. Eh, chouchou, on fait péter la musique un petit peu? Vas-y. Comme au bon vieux temps. Hein? Je kiffe, vas-y. On va essayer de vous mettre une musique libre de droit qu'on va aller chercher sur notre site. Ah là 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 là, à l'heure actuelle où c'est si simple de connecter un téléphone à un appareil Bluetooth, bah là, sur le poste, non. Hein. Faut aller chercher une notice pour faire ça, n'importe quoi. Je vous ai dit, ce poste, il est vraiment, mais pas terrible. Activer la fonction Bluetooth du périphérique. Sélectionnez le nom de l'appareil qui s'affiche sur le périphérique. Assurez-vous que le même numéro à 6 chiffres apparaît sur cet appareil et le périphérique. Sélectionnez Yes. Ouais. Ouais, bien. On va vachement avancer avec tout ça. Vous avez compris? C'est tout ce qu'il y a. Fais comment? Voilà. C'est simple. Ah ouais? Bah vas-y, fais. Si c'est si simple. Mais en fait, c'était plus simple et CD. Hein. C'est le poste le plus pourri du monde, hein, quand même. Hein? Je suis déprimé, là. Oh là là, du coup, je dis, je vais chercher un petit câble. Mais oui, sur notre téléphone, on n'a plus la prise haut. Et l'adaptateur est dans la chambre. Et j'ai pas envie d'y aller. Donc je sais pas. Oh là là là, c'est compliqué. Hein. Tout ça pour mettre une musique libre de droit d'auteur. Bah là, on a connecté directement l'enceinte en Bluetooth avec le téléphone. Je vais regarder vite fait si ça marche. Je vais sur un site, sur une chaîne YouTube que j'adore. Pour cacher des armes. C'est The Vadrouilleur Forever. Bon bah ça fonctionne. Vous voyez, en deux secondes, c'est appairé. Papa. Enfin bref. Allez, on retourne sur notre petit site libre de droit d'auteur. On va essayer de vous mettre une petite musique. Et ensuite, on vous mettra la vidéo avec le trépied. Et ça sera la fin de cette vidéo. Voilà, on peut faire péter le son là, on sera pas embêté avec les droits d'auteur. Je suis pas à fond.
Oh là là, comment que ça crache. Et ça va cracher encore plus avec le poste parce qu'il aura la sortie en pli directement dessus. Moi là, je suis avec mon smartphone sur l'enceinte et du coup, ça crache un petit peu moins. Eh ben, je suis plutôt satisfait du résultat. Elle va trouver sa place ici. Et voilà, c'est cool. J'ai envie de dire, je finis tout ça. Je mets ça au propre. Et vous, pendant ce temps-là, vous regardez la vidéo du trépied là, où l'appareil est posé actuellement. Et vous allez voir que c'est pas mal. Alors, sachez que tous les super chats qu'on reçoit, on les réinvestit intégralement dans du matériel. On a acheté pas mal de choses depuis qu'on a la chaîne et depuis qu'on a les super chats. L'appareil que j'avais avancé, hein, c'était un appareil à 1 500 €, donc je l'avais avancé. Et puis régulièrement, on achète du matériel vidéo, du matériel photo pour la chaîne. On a acheté le petit drone aussi. Voilà, tout ça, c'est toujours mis de côté et ça sert uniquement au matériel. Et là, j'ai commandé un trépied parce qu'en fait, j'avais un trépied photo qui commençait à se faire vieux et qui est pas trop adapté pour mon appareil. Il a cassé, mais je l'ai gardé quand même. J'ai fait une réparation, vous voyez, une petite réparation de fortune. Le problème, c'est qu'il est super léger et il est pas très précis en fait. Quand on veut suivre quelqu'un, c'est vraiment un trépied photo. Et quand l'appareil est dessus, qu'il y a un coup de vent, bah il tombe vite. Il est tombé déjà une fois avec le Panasonic et du coup, bah voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais et on a roulé dessus aussi avec le bus sur un petit bout de pied. Mais voilà, je le garde quand même celui-là parce que c'est toujours pratique aussi d'en avoir deux pour avoir plusieurs plans. Et ça faisait super longtemps que je voulais un trépied, un vrai trépied vidéo. Déjà, bah, quand on voit le poids qu'il fait, c'est vraiment un vrai trépied vidéo ce coup-ci. Oh, c'est génial ça. Ah, il est grand, hein. Parce que je peux le monter encore si je veux. Oh la vache, il est plus grand que moi. Eh. C'est quoi ce truc des malades? Non, mais c'est bien quand tu veux filmer sur de la foule. Donc je sais pas trop comment il fonctionne encore. Hein. Ah ouais, d'accord, il est vraiment fluide en fait. Il est à l'intérieur, c'est hydraulique. Non, je peux vraiment l'incliner un petit peu, voilà, le mettre de niveau. Et puis ensuite, voilà ce qui est bien. Bah, je vais le baisser un peu parce que là, ça sert à rien. Il a l'air de bonne qualité quand même. C'est pas non plus un truc de pro, mais quand je veux suivre quelqu'un avec l'appareil, au moins il est vraiment bien fluide. C'est ça vraiment un trépied vidéo comparé à un trépied photo. C'est ça la différence. Fluidité que j'avais pas avec mon trépied photo. Je suis super content, ouais. C'est déjà un peu mieux que ce trépied-là, qui est bien aussi, mais qui est fait pour la photo. Vous voyez? Celui-là, quand j'avais mon appareil dessus, il tenait pas, quoi. Et il y avait un coup de vent, il tombait. Vous avez vu, il est bien stable, hein. Déjà, rien que par son poids, il est stabilisé. Ouais, je sais, ma moto, elle me manque. Truc de dingue, voilà, ça y est. Oh là là, je suis trop content. T'es contente? Ça crache. Donc là, j'enlève tout parce qu'en fait, je pourrais pas m'en servir tant que j'aurais pas le solaire. Donc ça sert à rien de laisser les fils dépasser. Et ça sert à rien de laisser l'enceinte, comme elle sert encore à la maison. On va s'en servir à la maison. Mais au moins, je sais que le poste, il est branché et que tout fonctionne bien. Vous avez vu le trépied? J'en suis vraiment très content. Et je vous dirai à l'usage si j'en suis toujours aussi content et s'il fonctionne toujours aussi bien. Parce que comme il y a un petit peu d'hydraulique dedans, ça se trouve un jour, il y aura une fuite et il fonctionnera moins bien. Voilà, je vous laisserai des retours et je vous mets le lien du trépied dans la description. Prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt, bye bye, au revoir. Alors en petit bonus, je vous mets quelques petites images aériennes faites avec le drone DJI Mavic Mini. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que je me suis fait attaquer par un oiseau ou alors je me suis pris une branche. Vous allez voir à ce moment-là, là, exactement là, là, regardez, là. Et aussi, vous aurez remarqué que nous avons changé l'intro et la fin. J'espère que celles-ci vous plairont. Gros bisous, à bientôt. Bye bye!